tordu le bras, qui voulait le chantier comme si sa vie en dépendait. Ça a attiré mon attention et quand il m'a donné des précisions techniques et la manière dont il devait réétudier le bâtiment et le faire, la clarté intellectuelle qu'il a mise en avant m'a donné à comprendre qu'il savait de quoi il parlait. Et quand j'ai vu son équipe composée essentiellement de jeunes techniciens, je me suis rendu compte que les jeunes gens qui en voulaient, qui voulaient se faire un nom en faisant un bel ouvrage. Et je dois dire que je suis content parce que depuis qu'il a pris le chantier, il l'a démarré au mois de février 2016. Moi, j'ai vu à l'étranger, je suis venu que deux fois au mois d'août et maintenant. Et vous pouvez regarder le genre de développement qu'il a eu. Donc, on a mis en place un protocole d'exécution, des protocoles de décaissement qu'il a toujours respecté. Et il a été extrêmement proactif sur la manière dont il conduisait le chantier, et ce qui m'a poussé à commencer à le recommander à des gens. En fait, c'est même pas pour lui faire une publicité gratuite, mais je pense que, comme on dit dans les institutions, les bons exemples méritent d'être narrés, parce que ce pays a besoin de travailler sur des bases d'excellence. Un autre aspect qui est intéressant, parce que bon, moi, toute ma vie, j'ai géré des projets dans des grosses institutions. Donc, comme on dit, il y a un certain nombre de signaux que l'on perçoit quand vous avez quelqu'un avec qui vous travaillez et qui peut vous signaler des problèmes, y compris certaines formes d'erreurs qu'il décèle lui-même avant que vous le remarquiez et qu'il proactivement anticipe de résoudre. Alors, ça donne un tout petit peu le sentiment que l'entreprise a le souci de l'efficacité et parie sur le long terme parce que l'entreprise ne cache pas les vices. Et ça, c'est quelque chose de totalement encourageant. Je crois que s'il bâtit, s'il continue sur ce modèle de bâtir sur la transparence, l'efficacité et le jugement de demain, l'avenir, ça pourrait faire une entreprise prometteuse. Maintenant, il y a une chose à laquelle toute entreprise doit faire attention. Quand j'ai remarqué qu'il était en train de croître à cause de la bonne réputation qu'il a établie sur le marché, je lui disais qu'il faut toujours faire attention de croire de l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous commencez parce que vous avez de très bonnes perspectives, vous avez des succès et vous avez des réalisations, il ne faut pas que le succès vous grise au point d'accepter des contrats que votre capacité humaine, technique, interne ne vous permet pas d'exécuter. Donc il faut reproduire de manière homothétique les bases sur lesquelles vous avez bâti votre succès et grandir en expansion de l'intérieur vers l'extérieur. Je crois que le grand défi qui est posé à cette entreprise dans les années qui viennent sera de cet ordre. Mouché Ndiaye étant, d'après ce que je vois, un homme de conviction et un homme de méthode, il va certainement mettre en place un système d'organisation et méthode qui lui permette de grandir son entreprise sur la base de l'accès à des marchés toujours plus grands, mais en faisant toujours en sorte que la capacité qu'il bâtit pour rester toujours sur les bons produits puisse suivre de manière adéquate et homothétique. Je crois que c'est l'un des grands défis qui peut être posé à cette entreprise si l'entreprise veut rester toujours dans les stalles de l'excellence.